C'est grave, franchement, c'est grave. Vous avez vraiment pas honte. Vous avez pas honte. Bonsoir les Marseillais et les Marseillaises. Vous avez pas de couilles, en fait. Voilà, vous avez pas de couilles. Je vois là que vous vous approchez des supporters. Vous savez qu'est-ce que vous méritez, hein? Vous savez ce que vous méritez? Vous méritez que vous vous approchez comme ça, tu vois. Tu te mets bien devant le virage en bas, tu vois. Ils sont bien en haut et ils sortent leur vieille. Et ils vous pissent tous dessus. Voilà. Vous méritez que le virage entier, hein, 5000 personnes qui vous pissent dessus. Vous avez vraiment pas de figure. Vous avez pas de couilles, les gars. Vous avez pas de couilles. Il n'y a pas de mouvement. Vous n'êtes pas des professionnels. Vous n'êtes pas des pros. Hein. Alors, on va parler un peu du match. Hein, gros, c'est bien beau de faire tourner le ballon, hein. C'est bien beau, 30, 40, tourne, bam, tac, tac. Mais à un moment donné, dans le ballon, faut peut-être essayer de marquer un but ou deux, hein. Hein, faut peut-être essayer de shooter, de frapper, de bouger, d'apporter du mouvement. Il n'y a aucun mouvement dans cette équipe, les gars. Je vous jure, Marseillais et Marseillaises, il n'y a aucun mouvement. On se contente. Saliba, c'est bon, toi, vas-y, arrête tes conneries. On se contente de faire tourner le ballon, hein, et d'attendre. Alors, je vais vous expliquer, moi. Je vais vous expliquer. En fait, voilà, on attend. Bientôt, tu vas entendre. S'il te plaît, laisse-moi marquer, hein. Non. Laisse-moi planter. Laisse-nous planter, gros. On fait tourner le ballon, on a la possession. Laisse-nous, quand même, oh. Non, ça va, on est chez nous, il y a 60 000 supporters qui se gèlent les couilles à regarder 11 salopes, laisse-nous marquer, hein, laisse-nous planter, s'il te plaît, fais-nous plaisir, c'est ça en fait, tu vois, bientôt tu vas entendre ça, bientôt tu vas entendre Payet, s'il te plaît, laisse passer, hein, c'est quoi ça, mais c'est, franchement, mais il est où le jeu dans cette équipe, hein. C'est bien beau, alors ça va de droite à gauche, ça revient, tac. Mais il n'y a aucun mouvement. Monaco, écoute bien. Hein. Une action, un bon mouvement, c'est but. Cherche pas. C'est quoi ça, la vérité? Tu joues avec 7 milieux, frérot. Hein? Tu joues avec 7 milieux. Alors Sampaoli, la vérité, va bien te faire enculé, frérot. Va bien te faire enculer. Hein? Tu te fais déchirer par l'entraîneur de Clermont. Tu te fais déchirer par lui. Techniquement, tactiquement, il te déchire tous les entraîneurs. Tu pues la merde. Ça y est, barre ta gueule. Stop, parce que c'est lui qui leur fait demander de tourner. C'est lui qui fait des compositions à 5 milieux. Faut arrêter, c'est pas ça. On prend pas plaisir, on est chez nous. Il y a 60 000 supporters qui grondent, qui font tarpin plaisir d'ailleurs. C'est des monstres à supporter des merdes comme vous. Ils ont des grosses couilles, hein. Ils ont des grosses couilles et ils regardent 11 mecs sans couilles sur le terrain. Du moins 10 mecs, on va pas compter le gardien. 10 mecs. Franchement, c'est quoi? Il y a même pas de mouvement. On attend, on fait quoi? On attend de centrer. Oh, frérot, oh, ça va, oh. On n'est pas sur FIFA, frère. Hein? Centre-tête, ça va, on en a marre. À un moment donné, on va peut-être rentrer dans l'axe, faire des petits trucs, jouer au ballon. Hein? On en a un qui est capable de faire ça. C'est Under, que quand tu touches le ballon, il gagne des mètres, il efface. Tout le reste, c'est fait tourner. Fais tourner. C'est bon, vous nous avez gonflé, les gars. Vous nous avez gonflé. On a des attaquants qui sont même pas capables de faire un bon mouvement. On va même pas encore en vouloir au milieu. On va pas en voir au milieu, les gars. Il y en avait 8 ce soir. Ça va? Si on en veut au milieu, on en veut à toute l'équipe. On va se détendre. Hein? C'est bon. Stop. 3 attaquants. Même pas capables d'offrir des bons mouvements. Même pas bon. Balle au pied. La vérité, vous êtes dégueulasse. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. On croit qu'il y a but, on croit qu'il y a quelque chose, on croit qu'il y a mouvement. Non, il se passe rien. Et ça repart. Et ça revient. Et hop, et ça coulisse. Et ça. Mais il se passe rien. Ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Et on s'ennuie, on en a marre et vous nous avez bandés, les gars. Vous nous avez gonflés. Hein? C'est le coach qui demande de ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir peut-être un petit éclair ou un éclat de génie ou un truc. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est mort. C'est nul. Franchement, arrêtez de jouer. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Genre, ouais, on a joué jeudi, on est fatigué. Deuxième mi-temps, on a levé le pied. Toute la semaine, vous vous êtes branlé les couilles. Hein? Vous faites une préparation d'une semaine pour arriver le dimanche et faire tourner le ballon et avoir la possession. Allez, sortez-moi de là, c'est dégueulasse. Sampaoli, tu dégages. Franchement, on veut plus le voir. Oh, Longoria, dégage-moi cette vieille cagette qui a aucune philosophie de jeu. Ta philosophie de jeu, c'est quoi? En 3-5-2, faire tourner le ballon. Tu es nul. Tu proposes rien. Je sais pas, les joueurs avec lui, ils sont nuls. Déjà qu'ils sont nuls, en plus, il les rend encore plus nuls. Enfin, prenez soin de vous, les gars. Voilà, et l'arbitre, toi, écoute-moi, l'arbitre, espèce de tête de chien. Toi, tu as une vraie tête de chien. Tu nous aimes pas, on te connaît tous. Hein? Grosse sous-merde. Sur Milik, il y avait contact. Pourquoi tu n'as pas appelé la VAR? Pourquoi la VAR, elle t'a pas appelé? Hein? Espèce d'enculé, de sous-merde avec ta tête de skinhead. Va bien manger mes couilles. Prenez soin de vous, les gars. Allez, l'OM. Il y en a marre, mon frère.